제 마음이 샤라워. 알아, 마 aussi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la CTS. Le micro. Il y en a ici qui prennent les transports en commun. Ouais. Bon, alors vous allez être d'accord avec ce que je vais vous raconter. Premièrement, les chauffeurs de bus et les chauffeurs de tram, surtout de bus. Je crois qu'il faut un concours à celui qui roule le plus mal. Il pile. Mes portels de merde, on leur a donc appris à l'école, à l'auto-école, comment on gère les pédales, pourquoi ils ne savent pas, ces cons-là. Hein? Franchement, une fois je me suis énervée parce qu'ils me secouaient, surtout le bus 2. Parce que là-bas, quand tu es là-bas, t'as l'impression que tu fais du 4x4, que t'es en train de faire du rodéo, alors que t'es juste dans le bus. Hein? Mais là, le chauffeur, lui, pas du rodéo. Lui, il a les suspensions. Hein? Il monte, il descend. Pendant que nous, on a le corps qui joue comme si on s'était saucé. D'ailleurs, dans le bus, je suis sûre. Tu me mets le cerceau là qu'on met autour de la taille. Comment ça s'appelle là déjà? Le hula hoop. Le hula hoop. J'ai jamais réussi à en faire. Non. Mais je suis sûre, je fais le pari. Tu me mets dans le bus, tu me mets un cerceau autour de la taille. Tu dis au conducteur, roule. Le truc il tourne. Et jamais il tombe. Sans même que je fasse en fait. C'est obligé. Attendez les enfants, faut que je fasse ça, je suis fatiguée. Faut que je parle là-dedans. Non, mais je vais pas parler là-dedans, moi. Faut que je parle là-dedans ou faut que je parle pas là-dedans? Là-dedans. Bon, ben, je suis dedans. Attends, je colle, tu froid au pied, là. Il faut que je mette les chlopes. Hein. Ça sert à rien, ce micro-là. Oui, entre les jambes, maintenant. Faut pas que je pète, hein. Là où il est. Oh. Ah. Maintenant, je suis mieux. Oh putain, faut pas que je me détende, j'ai 6 minutes, sinon je me fais engueuler. Je dois pas dépasser le temps. Alors maintenant, je vais parler des chauffeurs. Maintenant, je vais vous parler de moi. Je fais 1m50 tout mouillé. Alors imaginez en été, quand tout le monde a les aisselles comme ça, debout là. Mon nez, vous croyez, il est où? Sur les aisselles de tout le monde. J'ai devenu une pro. Alors lui, il a une transpiration d'un jour. Lui, il a une transpiration de 5 jours. Oh putain, mais alors en été, t'as ceux qui se lavent pas. Et là, tu te dis, oh putain, celui-là, il a une transpiration d'un mois, je vais faire un malaise. Alors on est venu, on dit, madame, ça va, vous avez trop chaud. Non, je vais mourir, ça pue. C'est donc pas possible, franchement. Et alors, le comble du comble, c'est les contrôleurs. Alors, ceux-là, c'est vraiment une catastrophe. Hein, ils arrivent là, ils se prennent pour la police. Contrôle de ticket, s'il vous plaît. On t'a jamais appris à sourire, connard, va. Oh, pardon, c'est pas bien, faut pas dire des gros mots. Hein, et un jour, j'ai validé l'aller, mais j'ai pas validé le retour. Parce que vous savez, à mon âge, hein, on n'est plus Speedy Gonzalez. Donc, t'as le choix, c'est ou tu valides ton badge, ou tu prends le tram, mais tu peux pas faire les deux en même temps parce que j'avance comme une limace. Alors j'ai préféré prendre le tram. Mais le problème, c'est que le contrôleur, il commence à me faire chier. Oh mais madame, vous n'avez pas validé votre badge. Mais monsieur, c'est un abonnement au mois. Si j'ai pas au ticket, c'est un abonnement au mois. Et lui, tout fier, on aurait dit que ça l'excitait. Dans ma tête, je me suis dit, ah bon, ça t'excite? Attends voir. Je l'ai attrapé là par les... Hein, on va pas vous dire comment ça s'appelle. Je l'ai écarté, j'ai dit, toi maintenant t'arrêtes de me casser les ovaires. Et là il me regarde, il fait, madame, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je vérifie simplement que ça vous excite et la preuve elle est là. Son chevaux, celui-là, eh ben il était debout. Hein? Ce qui prouve bien qu'à la CTS il faut vraiment du n'importe quoi. Enfin bref, j'en aurais d'autres des choses à vous raconter, mais le temps, je sais pas. Alors je vais vous laisser. Retourner chez moi à la maison, il est temps de prendre des petits prêtres et surtout de ne pas oublier le verre de schnaps. Allez, au revoir tout le monde. Hein. Bravo! Maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Marie-Charlotte! Ça va?